Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. En ce jour 24 octobre 2020, un samedi, et nous fêtons Saint Raphaël, l'archange Raphaël, Dieu qui guérit, remède de Dieu. Je vais faire des prières à l'archange Raphaël, à Saint Raphaël, mais je lui demande déjà de me guérir de tout mal physique, spirituel, mentaux, moraux, et tout autour de moi, mes chats, mes amis, mes proches. Avec une pensée particulière pour Myriam, Serge, Pauline, Jyoti, Michel, Cécile, qui sont guéris de tout mal. Mon bon ange, vous qui êtes le gardien de mon corps et de mon âme, mon frère, mon guide, mon très cher compagnon, mon très sage conseiller, mon très fidèle ami, qu'il est consolant pour moi de penser que je suis confié au sein d'un prince du ciel. Quel respect je vous dois, sachant que je suis toujours en votre présence. Je vous honore et je reconnais l'amour que vous me portez. Et j'ai confiance en votre appui, puisque vous êtes toujours à m'écouter. Gardez-moi, guérissez-moi, éclairez-moi, fortifiez-moi, vivifiez-moi, aimez-moi, illuminez-moi, éclairez-moi donc, illuminez-moi. Allez préparer nos rencontres avec tous les anges gardiens des personnes que je rencontrerai dans le futur, que je les rencontre physiquement ou par des moyens de communication. Contenez-moi aussi dans les tentations, mon très cher ange gardien, et priez avec moi et pour moi. Faites enfin que je me sauve par votre aide, ainsi je pourrai vous remercier éternellement au paradis. Ainsi soit-il. Amen. L'ange du jour est l'ange Abouïa. Abouïa, Abouïa, Abouïa. Donc, et j'ai aussi en fait eu un tirage de personnes, une personne qui fait des tirages en fait de cartes sur Internet. Et j'ai tiré quand même quelque chose de très bon, c'est As de Terre. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse. Document ou contrat important. Donc effectivement, j'ai signé la promesse d'achat de ma nouvelle maison. Donc c'est un document, un contrat important. Et je vais de nouveau en fait signer de nouveau lorsque je verserai la somme. Donc je remercie As de Terre. Une abondance considérable se dirige vers vous en ce moment. Merci, merci. C'est aussi l'archange Raphaël est lié à l'abondance. Très cher archange Raphaël, vous pourriez recevoir une promotion, une augmentation de salaire ou une somme d'argent tout à fait inespérée. Si vous démarrez une entreprise, je pense aussi à l'ouverture d'un nouveau compte en banque. Donc j'ai déjà eu un rendez-vous hier et je pense que je vais pouvoir, j'espère, l'ouvrir la semaine prochaine. Si vous démarrez une entreprise, celle-ci a de grandes chances de réussir. Les fondements de la prospérité ont été bien établis. C'est le moment idéal pour faire des investissements et je fais aussi des investissements en ce moment par le site eToro. J'achète des crypto-monnaies et un peu d'or. Prenez le temps d'étudier soigneusement les occasions qui s'offrent à vous. Attendez-vous à recevoir des documents juridiques, des contrats ou de la correspondance. Autre signification de cette carte, recevoir un cadeau, santé qui s'améliore, obtenir un diplôme, des achats considérables, chances considérables. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen, Alléluia. Donc je remercie par avance de tout ceci, en tout cas de cette synchronicité, qui me donne beaucoup d'espoir. Cette abondance, je demande à pouvoir la partager avec les personnes qui me seront indiquées et qui en auront besoin pour des bonnes choses. Glorieux Archange Saint-Raphaël, prince de la cour céleste, très illustre par les dons de conseil et de sagesse. Guide des voyageurs, aide-moi à chaque fois que je voyagerai, quel que soit le voyage, sur la terre ou ailleurs, par mon esprit. Glorieux archange Saint Raphaël, prince de la cour céleste, très illustre par les dons de conseil et de sagesse. Guide des voyageurs, consolation de ceux qui souffrent ou que la maladie tourmente, je vous supplie de m'assister dans toutes mes nécessités et dans les peines de cette vie. De la même manière que vous avez jadis secouru la famille de Toby dans ses tribulations, puisque selon votre nom vous êtes remède de Dieu, je vous supplie humblement de guérir mon âme de ses nombreuses infirmités et mon corps des maux qui l'affligent. Je vous demande en particulier de guérir donc tous les soucis, les bobos physiques que je peux avoir, ces maux d'estomac parfois, cette épine calcanéenne qui traîne encore un petit peu, mais qui s'est beaucoup améliorée, je remercie de cela. Mon souffle, mes angoisses parfois, quand je suis bloqué un peu au niveau de la poitrine, qui délimine tout ceci, et je demande aussi donc
la guérison de Myriam et des personnes que j'ai déjà citées. Je demande ton intercession, très cher archange Raphaël, pour ceux-ci, auprès de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, soutenez-moi dans le périlleux voyage de cette vie, préservez-moi des attaques démoniaques et du découragement, en sorte que je parvienne sous votre conduite jusqu'à la céleste patrie, où je pourrai avec vous et tous les cœurs des anges chanter éternellement les miséricordes du Seigneur. Ainsi soit-il. Amen. Je demande aussi d'être toujours en bonne forme, ne pas être fatigué, pas avoir des périodes de fatigue où je me sens pas en forme. Glorieux archange Saint Raphaël, prince de la cour céleste, très illustre par les dons de conseil et de sagesse, guide des voyageurs, avec l'aide de l'ange du jour Abouya, qui est aussi un ange guérisseur, Abouya, 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 Raphaël, Raphaël, Raphaël. Glorieux archange Saint Raphaël, prince de la cour céleste, très illustre par les dons de conseil et de sagesse, guide des voyageurs, consolation de ceux qui souffrent, oh que la maladie tourmente. Je vous supplie de m'assister dans toutes mes nécessités, dans les peines de cette vie. De la même manière que vous avez jadis secouru la famille de Tobie dans ses tribulations, puisque, selon votre nom, vous êtes remède de Dieu, je vous supplie humblement de guérir mon âme et de ses nombreuses infirmités et mon corps des maux qui l'affligent. Je vous demande en particulier, donc pour moi, la guérison de mon estomac, de mon pied et ses fatigues. Je demande aussi la pleine santé, donc pour moi, pour mes chats, tout chacun de mes chats. La guérison de Myriam, le prêtre. La guérison aussi de relations avec son père. La guérison de Giotti, la guérison de Serge, la guérison de Pauline, la guérison de Frédéric, la guérison de toutes les personnes autour de moi qui ont besoin d'être guéries. Je demande ton intercession, très cher archange Raphaël, remède de Dieu, Dieu qui guérit, auprès du Seigneur Tout-Puissant, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, reine des anges, ainsi soit-il. Amen. Alléluia, soutenez-moi dans le périlleux voyage de cette vie, préservez-moi des attaques démoniaques et du découragement, en sorte que je parvienne sous votre conduite jusqu'à la céleste patrie où je pourrai avec vous et tous les cœurs des anges chanter éternellement les miséricordes du Seigneur. Merci, ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Amen, venez à mon secours, je vous en supplie, glorieux prince Saint Raphaël, médecin des âmes et des corps, ô vous qui avez guéri les yeux du vieux Tobie, donnez à mes yeux la lumière physique et à mon âme la lumière spirituelle. Et par vos célestes supplications, éloignez de moi toutes ténèbres, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Glorieux archange Saint Raphaël, prince de la cour céleste, très illustre par les dons de conseil et de sagesse, guide des voyageurs, consolation de ceux qui souffraient que la maladie tourmente, je vous supplie de m'assister dans toutes mes nécessités et dans les peines de cette vie. Merci, 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 de la même manière que vous avez jadis secouru la famille de Tobie dans ses tribulations. Puisque selon votre nom, vous êtes remède de Dieu, Dieu qui guérit, je vous supplie humblement de guérir mon âme de ses nombreuses infirmités et mon corps des maux qui l'affligent. Je vous demande en particulier la bonne santé de toutes les personnes que j'ai citées. Je remercie aussi pour les roses que l'on m'a données. J'ai fait une promenade, une méditation, j'ai fait un chapelet, j'ai récité un mantra, j'ai fait des aumes contre l'arbre dans la forêt où je vais à Faverolles. Et quand je suis rentré, j'ai rencontré cette femme qui s'occupe de la bibliothèque et elle m'a donné des roses de son jardin. Je remercie aussi de cela. Très cher archange Raphaël, Jésus, Marie, Joseph, soutenez-moi dans le périlleux voyage de cette vie, préservez-moi des attaques démoniaques et du découragement, en sorte que je parvienne sous votre conduite jusqu'à la céleste patrie, où je pourrai avec vous et tous les cœurs des anges chanter éternellement les miséricordes du Seigneur. Ainsi soit-il. Amen. Venez à mon secours, je vous en supplie, glorieux prince Saint Raphaël, médecin des âmes et des corps, ô vous qui avez guéri les yeux du vieux Tobie, donnez à mes yeux la lumière physique et à mon âme la lumière spirituelle, et par vos célestes supplications, éloignez de moi toutes ténèbres, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère. Ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Raphaël qui est l'un des sept qui se tiennent devant le Seigneur, donc l'un des sept archanges principaux qui se tiennent devant le Seigneur. C'est lui qui le dit, en fait, dans la Bible à Tobie, qu'il est l'un des sept qui se tiennent devant le Seigneur. Apparemment, il est aussi cité par Saint Jude dans les évangiles. Il faudra que je trouve ce passage, c'est Épître, verset 14 de Saint Jude. Abouya, le mot qui correspond à Abouya, et amitié,
Et la première personne à qui j'ai pensé en voyant ce mot a été Jyoti, et Virginie aussi est apparue parce qu'elle est en train de lire en fait le message que je lui ai envoyé en réponse au sien. Et évidemment, je pense à Myriam, à Michel, à mes chats. J'ai une forme de grande amitié avec mes chats, d'amour, d'amitié. Je pense à tous les autres aussi. Amitié, l'amitié est un lien rare et précieux. Il est le fruit de la délicate alchimie opérant entre les êtres. Toute sa magie réside dans l'équilibre auquel chacun contribue. Sois confiant en tes talents, mais sache reconnaître tes limitations. C'est toi qui dois prendre le dessus sur ton ego. Prends la parole sans crainte, mais maîtrise tes mots et apprends à écouter. Ainsi, tu pourras mieux te connecter à autrui dans une énergie de partage sincère. L'amitié, bâtie avec l'énergie venant du cœur est pure et sincère, elle s'élève dans l'harmonie et la réciprocité. C'est pourquoi ton ami est à la fois si différent de toi et si semblable à toi. Vous êtes les deux étincelles de la même flamme. Nourrissez-la avec ferveur afin qu'aucune brise, aucune tempête ne vienne jamais l'éteindre. Abouya, 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 amitié, plan physique, conseil. L'amitié s'entretient, tu le sais, alors pense à tes amis et appelle ceux dont tu n'as pas eu de nouvelles récemment. Plan émotionnel, il t'est facile de faire beaucoup de rencontres amicales, toutefois l'amitié véritable est un bien rare et précieux qui traverse les joies, les épreuves et les années. Plan spirituel, ton chemin spirituel n'appartient qu'à toi seul. Il ne t'est pas imposé, tu ne l'imposes pas aux autres, chacun doit accepter l'autre tel qu'il est, c'est un des signes de ta spiritualité. Je suis toujours là pour mon ami, je l'écoute avec bienveillance, je lui parle avec tendresse, je l'accueille dans ses forces et ses faiblesses. J'accepte ses différences, je comprends son silence, je partage ses joies et ses peines, l'amitié c'est vivre l'unité. Je suis toujours là pour mon ami, je l'écoute avec bienveillance, je lui parle avec tendresse, je l'accueille dans ses forces et ses faiblesses, j'accepte ses différences, je comprends son silence, je partage ses joies et ses peines, l'amitié c'est vivre l'unité. Abouya, 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 amitié, je suis toujours là pour mon ami, je l'écoute avec bienveillance, je lui parle avec tendresse, je l'accueille dans ses forces et ses faiblesses, j'accepte ses différences, je comprends son silence, je partage ses joies et ses peines, l'amitié, c'est vivre l'unité. Abouya. Abouya, A-I-A-I-L et Jabamia sont les anges de l'aide divine. Le judaïsme associe ces trois esprits à un bouleversement vital. Les anges suivent les ordres de Dieu et se tiennent toujours prêts à venir en aide aux hommes qui s'en remettent à eux. On invoquait ces trois anges pour guérir comme pour aider les mourants à atteindre le ciel. La tradition raconte que ces trois anges sont les auteurs du miracle qui se produisit pendant le supplice et l'enterrement de Catherine d'Alexandrie ou Sainte Catherine. Née vers la fin du IIIe siècle à Alexandrie en Égypte, Catherine est née dans une famille noble et très cultivée, convertie au christianisme. Lors de la venue de l'empereur Maxence à Alexandrie, elle eut l'opportunité de s'adresser à lui. Elle lui parla de cette nouvelle religion et essaya de le convertir. Maxence se mit alors en colère et ordonna son exécution. Pour que la leçon donnée aux chrétiens soit exemplaire, il stipula que sa torture devait être la plus douloureuse possible. Catherine s'en remit aux anges gardiens Abouya, A-I-A-I-L et Jabamia, qui lui vinrent en aide. La tradition raconte que lorsque les soldats s'apprêtèrent à torturer Catherine à l'aide d'un engin à roues pourvu de lames, les anges démontèrent l'équipement qui se brisa au contact de la sainte sans la blesser. Maxence, furieux, ordonna donc qu'elle soit décapitée. Les anges qui la protégèrent pendant son martyre ramassèrent son corps et l'enterrèrent eux-mêmes sur le mont Sinaï. Des siècles plus tard, son corps fut retrouvé intact. Un monastère fut construit à l'endroit où son corps fut découvert. Prière à Abouya, A-I-A-I-L et Jabamia. Ange céleste, vous qui avez répondu à l'appel de Sainte Catherine d'Alexandrie, aidez-moi à surmonter les obstacles. Je prie le Seigneur d'avoir pitié de moi et qu'il vous envoie pour me venir en aide. Merci au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Ange céleste, vous qui avez répondu à l'appel de Sainte Catherine d'Alexandrie, aidez-moi à surmonter les obstacles. Je prie le Seigneur d'avoir pitié de moi et qu'il vous envoie pour me venir en aide. Ange Abouya, A-I-A-I-L et Jabamia. Merci au nom du Père, céleste puissant, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Ange céleste, vous qui avez répondu à l'appel de Sainte Catherine d'Alexandrie, aidez-moi à surmonter les obstacles. Je prie le Seigneur d'avoir pitié de moi et qu'il vous envoie pour me venir en aide. Merci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère. Abouya, ainsi soit-il. Amen. Pouvoir obtenir Abouya. Donc, je cite aussi les anges du jour dernier, puisqu'ils sont, leurs énergies sont active pendant au moins 5 jours, enfin principalement 5 jours après leur jour de régence, on va dire. Donc Mei-El, ange Mei-El, vivification extériorisée, c'était encore un ange archange.
Après, nous sommes passés donc au cœur des anges gardiens avec Damabia, extériorisation de la fontaine de sagesse. Ensuite, Manakel, extériorisation de la connaissance du bien et du mal. Et il y a elle hier avec transsubstantiation, extériorisation de la transsubstantiation. Donc, c'est le fait de transformer une matière en une autre. Ça fait penser aussi à l'alchimie et c'est aussi le fait que dans l'hostie et dans le vin, il y a bien le corps et le sang du Christ. Guérison, extériorisation, Abouya, ange Abouya, l'ange, la religion du Père est un vrai changement de religion. C'est passer de l'offre de sacrifice à Dieu, à la réception, à l'acceptation de ce que Dieu fait et veut faire pour nous. L'époque des préceptes à suivre, des règles à observer, des normes à respecter et dépasser, tout cela doit être intériorisé comme la respiration, automatisé. À présent, il faut accepter l'amour. L'amour est le mot du jour, en ce 24 octobre. À présent, il faut accepter l'amour avec un grand A, qui du ciel se déverse la grâce, la pleine vie, qui tombe de l'infini sous la forme d'essence céleste. Petit frère, dans l'œuvre divine de la création, ouvre tes yeux, élargis ton cœur, deviens citoyen des univers. Oui, mon âme, entend tes nobles paroles. Salvé, Abouya, verbe divin de feu et d'eau. Harmonie du monde, génie de jeunesse éternelle, grand capitaine des armées du bien, aujourd'hui sous les ailes de ta divine bonté, je veux agir pour que tout, enfin, fleurisse sur cette terre où le cœur de Dieu, invisible, bat pour nous offrir à tous, à volonté, le pain, la santé, la joie, le bonheur, la paix. Au nom du Père Céleste Tout-Puissant, du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, avec l'aide de l'archange, le Saint-Archange Raphaël, merci, Amen. Alléluia. Guérison, extériorisation, Abouya. Ça tombe bien aujourd'hui, donc guérison, que le mot soit guérison, puisque c'est la fête de l'archange Raphaël, qui veut dire Dieu qui guérit, remède de Dieu. Abouya. Je demande la présence aussi de l'archange Gabriel, qui est l'archange acteur du cœur des anges gardiens dans lequel nous sommes. L'ange, Abouya, la religion du Père est un vrai changement de religion. C'est passer de l'offre de sacrifice à Dieu, à la réception, à l'acceptation de ce que Dieu fait et veut faire pour nous. L'époque des préceptes à suivre, des règles à observer, des normes à respecter et dépasser, tout cela doit être intériorisé comme la respiration, atomisée, automatisée. À présent, il faut accepter l'amour qui du ciel se déverse, la grâce, la pleine vie, qui tombe de l'infini sous la forme d'essence céleste. Petit frère, dans l'œuvre divine de la création, ouvre tes yeux, élargis ton cœur, deviens citoyen des univers. Oui, mon âme, entend tes nobles paroles, salvé, Abouya, verbe divin de feu et d'eau, harmonie du monde, génie de jeunesse éternelle, grand capitaine des armées du bien. Aujourd'hui, sous les ailes de ta divine volonté, je veux agir pour que tout enfin fleurisse sur cette terre où le cœur de Dieu invisible bat pour nous offrir à tous, à volonté, le pain, la santé, la joie, le bonheur, la paix. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ange Abouya, par les mains de Marie ma mère, ainsi soit-il, Amen, guérison, extériorisation de la guérison. L'ange, la religion du Père est un vrai changement de religion, c'est passé de l'offre de sacrifice à Dieu à la réception, à l'acceptation de ce que Dieu fait et veut faire pour nous. Merci, j'accepte ce que tu veux faire pour moi et ce qui se passe dans ma vie, Dieu. Merci, l'époque des préceptes à suivre, des règles à observer, des normes à respecter et dépasser. Tout cela doit être intériorisé, comme la respiration automatisée. À présent, il faut accepter l'amour qui du ciel se déverse, la grâce, la pleine vie qui tombe de l'infini sous la forme d'essence céleste. Petit frère, dans l'œuvre divine de la création, ouvre tes yeux, élargis ton cœur, deviens citoyen des univers. Oui, Abouya, mon âme, entend tes nobles paroles. Salvé, Abouya, verbe divin de feu et d'eau. Harmonie du monde, génie de jeunesse éternelle, grand capitaine des armées du bien. Abouya, aujourd'hui, sous les ailes de ta divine volonté, je veux agir pour que tout, enfin, fleurisse sur cette terre, où le cœur de Dieu invisible bat pour nous offrir à tous, à volonté, le pain, la santé, la joie, le bonheur, la paix. Merci. Au nom du Père, Céleste, Tout-Puissant, du Fils, ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Par les mains de Marie, ma mère, par le cœur immaculé de Marie, ma mère, par le cœur sacré de Jésus, par le battement de ses cœurs unis,
et de tous les cœurs unis, ainsi soit-il. Amen, alléluia. L'ange, la religion du Père est un vrai changement de religion. C'est passer de l'offre de sacrifice à Dieu, à la réception, à l'acceptation de ce que Dieu fait et veut faire pour nous. L'époque des préceptes à suivre, des règles à observer, des normes à respecter et dépasser, tout cela doit être intériorisé, comme la respiration automatisée. À présent, il faut accepter l'amour qui du ciel se déverse, la grâce, la pleine vie, qui tombe de l'infini sous la forme d'essence céleste. Petit frère, dans l'œuvre divine de la création, ouvre tes yeux, élargis ton cœur, deviens citoyen des univers. Oui, 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 mon âme entend tes nobles paroles. Salvé, 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 Abouya, verbe divin de feu et d'eau, harmonie du monde, génie de jeunesse éternelle, grand capitaine des armées du bien, grand capitaine des armées du bien, aujourd'hui sous les ailes de ta divine volonté, je veux agir pour que tout, enfin, fleurisse sur cette terre où le cœur de Dieu, invisible, bat pour nous offrir à tous, à volonté, le pain, la santé, la joie, le bonheur, la paix. Merci, au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. Abouïa. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, souvenez-vous de votre promesse de faire du bien sur la terre. Répandez avec abondance votre puits de rose sur ceux qui vous invoquent et obtenez-nous de Dieu les grâces que nous attendons de sa bonté infinie. Amen et merci pour les roses que je viens de recevoir. Donc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, souvenez-vous de votre promesse de faire du bien sur la terre. Répandez avec abondance votre puits de rose sur ceux qui vous invoquent et obtenez-nous de Dieu les grâces que nous attendons de sa bonté infinie. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Merci Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et merci à Sainte Rita. Prière à Sainte Rita, ô glorieuse Sainte Rita, toi qui es dans le ciel, une protectrice puissante auprès de Dieu. Nous nous tournons vers toi avec confiance et abandon. Interviens auprès du Seigneur Tout-Puissant et Bon. Aide-nous, s'il te plaît, auprès de Dieu, c'est sur ton intercession que nous avons basé notre confiance. Couronne nos espoirs, entends nos prières, ô Dieu éternel dont la miséricorde est sans mesure et la bonté infinie. Nous te rendons grâce par les bienfaits que tu nous accordes, par les mérites de Sainte Rita. Ô toi qui es si bonne, Sainte Rita, fais que nous devenions de plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de ta protection. Merci au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Saint Joseph. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé, et merci encore pour ce foyer, ce nouveau foyer. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et d'aide-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Amen. Je vous salue, Marie et Joseph, bienheureux époux. L'Esprit Saint repose sur vous. Vous êtes bénie entre toutes les familles, icône de la Sainte Trinité. Et Jésus, accueilli par votre oui, nous révèle l'amour du Père. Sainte Marie et Saint Joseph, avec tous nos amis du ciel, priez pour nous, pauvres serviteurs, maintenant et à l'heure de la rencontre. Amen. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Ô Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Merci au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Abouïa, Abouïa, aujourd'hui 24 octobre, donc fête du Saint-Archange Raphaël. Bonne fête, très Saint-Archange Raphaël, merci. Abouïa, donc le mot du jour est amour, jour de grand amour, guérison rapide, chance et fortune pour les professions de santé. Le caractère guérisseur, sœur de l'ange, coïncide avec la puissance du second degré du scorpion. Abouïa, 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 jour de grand amour, guérison rapide, chance et fortune pour les professions de santé. Donc je demande aussi la guérison, très cher Archange Raphaël, de toutes les personnes qui souffrent du Covid, que nous soyons débarrassés de cette Covid, puisque c'est apparemment féminin, on dit la Covid. Donc je demande ceci, ange Abouïa et Archange Raphaël, au nom du Père Céleste Tout-Puissant, du Fils Ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. Que ce soit selon la volonté de Dieu. Abouïa, Abouïa, que ta mystérieuse présence, Seigneur, soit évidente auprès de moi, de nous, pour que nos cœurs puissent avoir le même rythme d'amour que vos cœurs.
Merci, au nom du Père, Céleste et Puissant, du Fils ressuscité, Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Par les mains de Marie, ma mère, avec l'aide de l'ange Abouyol, l'archange Raphaël, tous les anges, archanges et tous les saints, ainsi soit-il. Amen, amen, amen. Amen, Abouya, 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 que ta mystérieuse présence, Seigneur, soit évidente auprès de moi, de nous, pour que nos cœurs puissent avoir le même rythme d'amour que vos cœurs. Merci que nous soyons un dans l'unité du Saint-Esprit, qu'un seul cœur qui bat, au nom du Père, c'est la subissance du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, que nous soyons synchronisés avec le cœur de Dieu et le cœur de la terre, que le cœur de la terre et le cœur de Dieu soient en harmonie avec chacun de nos cœurs. Je demanderai de te connecter à cette pulsation divine pour toujours à partir de maintenant. Très cher Archange Raphaël, Ange Abouya, au nom du Père Céleste Tout-Puissant, du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie ma mère, par le cœur immaculé de Marie, par le cœur sacré de Jésus, par l'union de ces deux cœurs. Au nom de Jésus, ainsi soit-il. Amen. Abouya, 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 que ta mystérieuse présence, Seigneur, soit évidente auprès de moi, de nous, pour que nos cœurs puissent avoir le même rythme d'amour que vos cœurs. Merci, 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 au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Amour, Abouya, don et pouvoir qu'il accorde. Amour, Abouya, votre cœur est constamment en mouvement. Les instincts, les sentiments, la raison, la parole, le coin de l'œil, tout est mobilisé au service de la séduction, de la conquête amoureuse. Il s'agira du grand amour durable, éternel, si cette mobilisation générale émane de la partie la plus noble et élevée de votre personnalité. Argent, votre situation économique est assez bonne, mais elle doit être structurée afin de constituer un ensemble cohérent. Pour dire que votre potentiel économique doit avoir une finalité bien définie et non pas marcher au gré de vos caprices, votre argent doit servir à la formation d'une entreprise, d'une activité utile à votre progrès matériel, certes, mais surtout à votre élévation spirituelle, morale et humaine. Santé, c'est l'ange guérisseur par excellence, Sabouya, l'ange guérisseur par excellence, il peut tout guérir, mais très spécialement les hémorroïdes, les hernies, les fistules, même lacrymales. Je demande à ce que les yeux de Ama soient complètement guéris et tous les yeux de Mécha soient en parfaite santé. Merci, au nom du Père, c'est la sous-puissance du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Très cher Archange Raphaël, Ange Abouya, ainsi soit-il. Amen. Travaillez votre joie de vivre et votre sens de l'humour sont contagieux. Ils vous ouvrent toutes les portes. Ouvrez souvent les portes des amis, sans quoi les gonds finissent par se bloquer. Mais attention, pour que cette conquête des cœurs devienne une conquête sociale, professionnelle, la joie doit jaillir de votre cœur. Une gaieté artificielle, préfabriquée, extérieure, simplement distrayante, n'apporterait aucun résultat tangible. Initiation ésotérique, la personne s'élèvera vers une situation de pouvoir spirituel, moral et matériel. Aucun obstacle n'arrêtera son ascension. Avec l'aide de l'ange, elle montera en flèche. Elle devra choisir de faire le bien sans vanité, avec efficacité. Prière consacrée à l'ange Abouya, 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 mon âme veut entendre tes douces et nobles paroles. Harmonie du monde, aujourd'hui sous tes ailes angéliques, je veux agir et réussir pour qu'enfin tout fleurisse sur cette terre où le cœur invisible de Dieu bat, palpite pour nous offrir à tous et à volonté le pain quotidien, la santé, le bonheur. Aide-moi à œuvrer au service de l'œuvre divine du monde. Merci au nom du Père Céleste Puissant, du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Abouya, 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 mon ange veut entendre tes douces et nobles paroles. Harmonie du monde, aujourd'hui sous tes ailes angéliques, je veux agir et réussir pour qu'enfin tout fleurisse sur cette terre où le cœur invisible de Dieu bat, palpite pour nous offrir à tous et à volonté le pain quotidien, la santé, le bonheur. Aide-moi à œuvrer au service de l'œuvre divine du monde. Merci, Abouya, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen, par les mains de Marie, ma mère. Amen. Amen, amen, merci. Abouya, mon âme veut entendre tes douces et nobles paroles, harmonie du monde. Aujourd'hui, sous tes ailes angéliques, je veux agir et réussir pour qu'enfin tout fleurisse sur cette terre où le cœur invisible de Dieu bat, palpite pour nous offrir à tous et à volonté le pain quotidien, la santé, le bonheur. Aide-moi à œuvrer au service de l'œuvre divine du monde. Merci beaucoup. En ce jour où le mot du jour est amour, au nom du Père, Céleste, Puissant, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Par les mains de Marie, ma mère. Amen. Alléluia. Abouya. Alléluia. Raphaël, Archange Raphaël, Saint-Archange Raphaël. Alléluia. Merci. L'ange Abouya peut nous libérer du mal, principalement en suivant les extraordinaires possibilités que sa force peut nous offrir. Si nous le désirons, si nous prions dans ce sens,
la personne pourra se déloger du présent incommode de souffrance en installant un bout de futur dans son présent, chose qui ne peut pas se faire sans lutte. La personne réalisera cette lutte et alors vivra, elle et ses proches, en paix et en bonne santé. Merci, amen, alléluia. Dans la vie sociale, la personne vivra un peu dans le futur et sera en avance avec tous les inconvénients que cela peut entraîner, puisque dans l'avant-garde, les choses de la vie sont peu organisées. Il faudra qu'elle les organise. Son inconscient sera riche en contenu dès qu'elle les priera l'ange Abouya, puisqu'un bout du futur, de futur, jaillira de l'inconscient pour passer au conscient. L'ange poussera la personne vers la connaissance du trésor, la connaissance du dessein divin, c'est-à-dire la connaissance de son travail futur. Dans le domaine philosophique, la personne de la main de l'ange deviendra un fils de la lumière au service du dessein divin, au service de ses proches, d'autrui. Quoi qu'il en soit, les forces providentielles régies par l'ange sont de son côté. Il faut agir sans aucune crainte. Merci, merci, merci. Prière à l'ange Abouya. Bénissons l'ange Abouya. Prions-le. Faisons retentir sa louange. Il a conservé la vie de notre corps et de notre âme. Il nous délivre de l'épreuve du mal, de la maladie, de la peur et de l'angoisse. Son esprit lumineux, étincelant d'amour et de bonté, illumine notre vie. Merci, merci, merci. Amen. Alléluia. C'est l'ange Abouya, Seigneur omnipotent. Sois attentif à ma prière qui est la voix de mon cœur. Exauce ma supplication. Béni soit l'ange Abouya qui m'accorde sa bonté. Au nom du Père, Céleste, Puissant, du Fils, ressuscité, Jésus-Christ, du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère. Ainsi soit-il. Amen. Archange Raphaël. Merci. Amen. Bénissons l'ange Abouya. Prions-le. Béni sois-tu, ange Abouya. Prions-le. Béni sois-tu, ange Abouya. Béni sois-tu, très saint archange Raphaël. Béni sois-tu, très saint archange Raphaël. Béni sois-tu, Marie. Béni sois-tu, Joseph. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni soyez-vous, les saints, les anges, les archanges. Bénissons l'ange Abouya. Prions-le. Faisons retentir sa louange. Béni sois-tu, ange Abouya, prions-le, faisons retentir sa louange, il a conservé la vie de notre corps et de notre âme, il nous délivre de l'épreuve du mal, merci, merci, de la maladie, merci de la peur et de l'angoisse, merci, merci, moi et tous autour de moi. Son esprit lumineux, étincelant d'amour et de bonté, illumine notre vie. Merci, 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 illumine ma vie, illumine nos vies, tout autour de moi, illumine la vie avec un grand V. Ange Abouya, Seigneur omnipotent, sois attentif à ma prière qui est la voix de mon cœur. Exauce, s'il te plaît, ma supplication. Béni soit l'ange Abouya qui m'accorde sa bonté. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen, amen. Bénissons l'ange Abouya, prions-le. Faisons retentir sa louange. Il a conservé la vie de notre corps et de notre âme. Il nous délivre de l'épreuve du mal, de la maladie, de la peur et de l'angoisse. Son esprit lumineux, étincelant d'amour et de bonté, illumine notre vie. Ange Abouya, Seigneur omnipotent, sois attentif à ma prière qui est la voix de mon cœur. Exauce, s'il te plaît, ma supplication. Béni soit l'ange Abouya qui m'accorde sa bonté. Au nom du Père, Céleste, Puissant, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Amen, alléluia, par les mains de Marie, ma mère, par le très saint archange Raphaël, en ce jour de sa fête, ainsi soit-il. Amen, bénissons l'ange Abouya, bénissons l'archange Raphaël, bénissons l'archange Michael, bénissons tous les archanges, bénissons l'archange Gabriel. Prions-le, prions-les, faisons retentir leur louange. L'ange Abouya, il a conservé la vie de notre corps et de notre âme, il nous délivre de l'épreuve du mal. Amen, alléluia, hurra. De la maladie, de la peur et de l'angoisse, son esprit lumineux, étincelant d'amour et de bonté, illumine notre vie. Illumine ma vie sur tous les plans, Abouya, et la vie de mes proches, merci de mes amis, de mes chats, merci, Abouya. Ange Abouya, Seigneur omnipotent, sois attentif à ma prière qui est la voix de mon cœur. Illumine aussi ma prochaine maison. Exauce ma supplication, béni soit l'ange Abouya qui m'accorde sa bonté au nom du Père, Céleste, Puissant, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Abouya, alléluia. Par les mains de Marie, ma mère, avec l'aide de très saint archange Raphaël en ce jour de sa fête, 24 octobre. Ainsi soit-il. Amen, amen, amen. Abouya, ta maladie sera rapidement guérie. Tu pourras vaincre tes tendances négatives, vicieuses. Tu seras dignifié, exalté, loué. Tu auras une propriété à la campagne, ça approche, merci, j'y ai cru, et ça arrive, merci, merci Abouya, merci tous les anges, archanges, merci Marie, Jésus, Joseph, Père Céleste, Saint-Esprit, Krishna, Radha, merci, Prabhupada, merci. Tu as en toi des pouvoirs créateurs que tu devrais exercer,
Tu es en train d'entrer dans l'ordre universel après une période d'avatar et de difficultés. Tu es en train de vivre l'histoire évangélique du fils prodigue par vivre à la campagne. J'y suis maintenant. J'ai écouté. Ta maladie sera rapidement guérie. Tu pourras vaincre tes tendances négatives, vicieuses. Tu seras dignifié, exalté, loué. Merci, merci, merci. Tu auras une propriété à la campagne. Merci, merci, merci. Tu as en toi des pouvoirs créateurs que tu devrais exercer. Tu es en train d'entrer dans l'ordre universel, créer une période d'avatar et de difficultés. Tu es en train de vivre l'histoire évangélique du fils prodigue par vivre à la campagne. Merci de me faire entrer dans l'ordre universel. Je suis venu vivre à la campagne. Prière à l'ange Abouya permet au Seigneur Abouya que je sois pour les autres et pour moi-même une fontaine de santé et de joie. Fais que ta lumière accumulée dans mon intérieur soit si intense qu'avec elle je puisse rétablir la santé chez les malades. Fais-moi citoyen de ton monde où déjà le doute n'existe pas. Merci au nom du Père, Céleste, Puissant, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Permets au Seigneur Abouya, s'il te plaît, que je sois pour les autres et pour moi-même une fontaine de santé et de joie. Fais que ta lumière accumulée dans mon intérieur soit si intense qu'avec elle je puisse rétablir la santé chez les malades. Fais-moi citoyen de ton monde où déjà le doute n'existe pas. Merci au nom du Père, Céleste, Puissant, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie, ma mère, avec l'aide de l'archange Raphaël, ainsi soit-il. Amen. L'ange Abouya exhorte. Dieu m'a réservé cet espace pour que j'apporte la santé et la plénitude au corps. En moi, pèlerin, tu apprendras la valeur de l'intériorisation. Tu ne pourras pas être un bien pour les autres si auparavant tu ne deviens pas un bien pour toi-même, mais si tu as condensé les vertus qui se dégagent de moi, alors ta vie sera un jardin où poussent et exhalent les fleurs les plus belles. En moi, tu trouveras les matériaux pour édifier ce jardin. Merci, merci, merci. Des roses sont déjà arrivées. Merci, Abouya. Dieu m'a réservé cet espace pour que j'apporte la santé et la plénitude au corps. En moi, pèlerin, tu apprendras la valeur de l'intériorisation. Tu ne pourras pas être un bien pour les autres si auparavant tu ne deviens pas un bien pour toi-même. Mais si tu as condensé la vertu qui se dégage de moi, aide-moi à condenser la vertu qui se dégage de toi, Abouya, s'il te plaît. Alors ta vie sera un jardin où poussent et exhalent les fleurs les plus belles. En moi, tu trouveras les matériaux pour édifier ce jardin. Merci, merci. Permets, s'il te plaît, ô Seigneur Abouya, que je sois pour les autres et pour moi-même une fontaine de santé et de joie. Fais que ta lumière accumulée dans mon intérieur soit si intense qu'avec elle je puisse rétablir la santé chez les malades. Fais-moi, citoyen, s'il te plaît, de ton monde où déjà le doute n'existe pas. Merci au nom du Père, Céleste, Puissant, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. J'ai tiré une carte. Donc, il y a quelques jours, j'avais tiré la carte de l'ange de demain qui est l'ange Rochelle. Et en ce moment, je n'arrête pas de tirer, en fait, la carte de l'ange Céalia. Donc, je vais déjà parler un petit peu de l'ange de demain, qui est Rochelle, ou Ra'a'el. Tes biens te seront restitués. Tu ressentiras le besoin de restituer ce qui ne t'appartient pas. Tu recevras faveur, protection et honneur de personnes que tu ne connais même pas. Récupération de ceux qui étaient perdus ou égarés. Si tu as été l'objet d'un vol, tu sauras qui t'a volé. La personne objet de la consultation deviendra riche et renommée. Tu recevras un héritage. Tu peux réussir en tant qu'avocat, notaire, magistrat. Tu devrais étudier le droit, les lois, grand connaisseur de la tradition, des us et coutumes des peuples. Tu connaîtras la vérité par la voie de l'intuition. Et comme je l'ai dit, donc, je n'arrête pas quand je fais un tirage en ce moment. Deux fois aujourd'hui, j'ai fait un tirage et c'est tombé deux fois sur Céalia. Personne très entreprenante, c'est un moteur en marche. Ce que tu es en train de mener à bien fleurira rapidement et fructifiera. Tout redémarre. La question objet de la consultation donnera un résultat positif. Les méchants et les orgueilleux seront confondus. Si tu as été humilié et mis de côté, tu seras remis en selle dans ton poste. Santé parfaite, pleine forme ou guérison totale en cas de maladie. La personne objet de la consultation a le don de guérir. Récolte abondante. Elle recevra les moyens nécessaires pour mener à bien ce qu'elle se propose de réaliser. Personne très instruite, véritable mage. Je vais faire la prière à l'ange Céalia. Fais, Seigneur Céalia, que par moi puissent trouver leur plénitude ceux qui sont poussés par un désir ardent de servir. Fais aussi que, grâce à mon action, mûrisse la bonne graine de l'amour. Permets-moi, Seigneur Céalia, d'agir toujours à l'unisson avec le battement de ton cœur cosmique. Au nom du Père, du Fils ressuscité Jésus-Christ, ainsi soit-il, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. L'ange Céalia exhorte.
Je t'ai choisi, toi, pèlerin, pour qu'avec tes œuvres, sois évident que le temps élabore les vertus. Je t'ai donné comme père le seigneur des expériences et comme mère la source éternelle de la vie. Ta mission doit consister à combiner les valeurs extraites des expériences vécues avec la force primordiale qui construit l'univers. Fais, Seigneur Céalia, s'il te plaît, que par moi puissent trouver leur plénitude. Ceux qui sont poussés par un désir ardent de servir, fais aussi que, grâce à mon action, mûrisse la bonne graine de l'amour. Permets-moi, Seigneur, d'agir toujours à l'unisson avec le battement de ton cœur cosmique. Céalia, personne très entreprenante, c'est un moteur en marche. Ce que tu es en train de mener à bien fleurira rapidement et fructifiera. Tout redémarre. Merci, amen, alléluia. La question objet de la consultation donnera un résultat positif. Les méchants et les orgueilleux seront confondus. Si tu as été humilié et mis de côté, tu seras remis en selle dans ton poste, santé parfaite, pleine forme ou guérison totale en cas de maladie. La personne objet de la consultation a le don de guérir. Récolte abondante, elle recevra les moyens nécessaires pour mener à bien ce qu'elle se propose de réaliser. Personne très instruite, véritable mage. Abouya, Abouya, je reviens à l'ange du jour. Abouya signifie Dieu qui donne avec libéralité. Donc on a vraiment l'impression que tout est lié à une récolte abondante, Dieu qui donne avec libéralité. Les premiers messages, en fait, à propos de l'as de la terre, l'as de terre. Le nom de Abouya est tiré du psaume 106, verset 1. Alléluia, rendez hommage à l'Éternel, car sa grâce durera jamais. Alléluia, rendez hommage à l'Éternel, car sa grâce durera jamais. Abouya signifie Dieu qui donne avec libéralité. Alléluia, rendez hommage à l'Éternel, car sa grâce dure à jamais. Abouya vous apporte la guérison de l'âme et du corps. Merci, merci Abouya. En le priant, vous arriverez à mieux voir si vous êtes en décalage, en déphasage par rapport à votre plan de vie. Le pouvoir de guérir est en vous et Abouya le tient à votre disposition. À condition que vous lui demandiez d'intervenir en votre faveur ou pour un proche, je te demande d'intervenir en ma faveur et pour Myriam, et pour mes chats, et pour tous mes proches. Merci. Toutefois, il vous sera demandé de vous guérir d'abord vous-même. Abouya, le souffle de vie s'intériorise. Qualité guérison, ajuste et réglemente les désirs. Rééquilibre les déphasages et les décalages. Merci de rééquilibrer les déphasages et les décalages, s'il te plaît, dans mes plans de vie. Merci d'ajuster et réglementer mes désirs. Donne-moi la guérison. Réajustement aux normes divines. Amour de la nature, vie champêtre, grand espace, agriculture, produit de la terre. Donc, as de terre, je rappelle. Expert agricole, je vais essayer d'ouvrir un compte au Crédit Agricole. Récolte. Abouya apporte une bonne nouvelle pour vous aider dans votre travail humain. Il met à votre service les êtres que l'on nomme les élémentales ou élémentaux, qui sont les êtres les plus proches de vous. Les hommes les ont appelés elfes, fées, sylphes, sylphides, gnomes, salamandres, ondins, ondines. Merci à vous. Ces êtres ont pour mission d'amener vos prières vers les anges. Merci et de vous aider à retrouver dans les profondeurs de votre être les qualités de guérisseur que vous avez été dans un lointain passé. Il sera néanmoins plus facile de les rencontrer dans la nature. Leur présence se ressentiront plus subtilement à travers champs, dans une forêt, le long d'un ruisseau, la campagne, la nature. Les moments difficiles que vous pourrez rencontrer lors de votre cheminement actuel peuvent vous pousser à vouloir vous élever spirituellement, moralement et matériellement. Vous vous rendrez de plus en plus compte à quel point vous négligez votre âme, vos enfants, vos proches, votre prochain. Cherchez l'aide de Abouya afin que vos récoltes soient abondantes, lumineuses, et elles seront pour vous et vos proches. Je cherche ton aide pour que mes récoltes soient abondantes, lumineuses. Et qu'elle soit pour moi et mes proches. Abouya, merci, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Abouya, ange des miracles, des guérisons et du courage. Abouya, ange des miracles, des guérisons et du courage. Abouya, rêvez, rêvez, rêvez encore. Et faites que vos rêves deviennent réalité. Influence de Abouya, le corps, sur le corps, jambes et reins solides. Sur le moral, communion facile avec la nature. L'âme, plaisir simple, jardinage, agriculture, la campagne. Invoquez Abouya pour guérir des maladies, humains, animaux, plantes et surtout les enfants. Conserver la santé, chasser des maisons et jardins les nuisibles. Donc j'ai reçu de la terre diatomée pour cela aujourd'hui que j'avais commandé. Elle est arrivée aujourd'hui en Abouya. Merci de la bénir et de fait qu'elle me protège des nuisibles. De toutes sortes, fécondité, terre, femme, animaux, avoir la main verte,
Ayez foi en votre mission sur cette terre, vous avez à réinstaller l'amour en vous premièrement, puis auprès de vos proches et enfin à toute chose. Cela sera parfois douloureux pour certains et aisé pour d'autres, et chacun le ressentira à sa façon, selon sa personnalité et son passé. Ne perdez pas courage, Abouya vous soutiendra, merci, et vous ramènera dans la lumière, si l'ombre a réussi à s'emparer de vous. Peut-être Dieu l'a-t-il permis afin que la leçon soit bien apprise. Au travers de vos prières vers Abouya, vous remercierez le Créateur de vous aider à maîtriser votre agressivité, vos colères. Il vous aidera à vous rendre compte à quel point il est plus aisé de rechercher l'union plutôt que la division, afin que vous puissiez être et faire ce que vous souhaitez, ayant le courage d'abandonner les privilèges d'antan et de vous mettre au goût du jour, de chaque jour nouveau qui arrive et nous rapproche un peu plus de ce nouveau paradis que nous sommes en train de construire. Exhortation, essence, guérison, pèlerin. Dieu m'a chargé d'amener la santé et la plénitude au corps, car la vérité ne peut se manifester au travers d'un organisme malade. Je suis là pour t'enseigner les vertus de l'intériorisation jusqu'à ce qu'elles deviennent en toi une force. Ne prétends pas vouloir guérir les autres si tu es malade. Depuis des décades, des siècles, si tu as su condenser les vertus qui se dégagent de moi, alors invoque-moi, je t'invoque, Abouya, et je ferai que ta vie soit un jardin dans lequel les plus belles fleurs exhalent les plus doux des parfums. Voyageur, c'est en moi que tu trouveras les matériaux qui te serviront à édifier ce jardin dans lequel il fera bon vivre. Voici ta mission, faire en sorte que la vie de ton prochain soit belle. Pour cela, il faut que cette beauté fleurisse dans ton fort intérieur. T'aimer toi-même afin de pouvoir projeter ton amour sur le monde, les hommes, Dieu. Prière Abouya, Seigneur, fais que ma foi soit féconde. Fais que ta lumière accumulée dans mon intérieur soit si intense, si pure, qu'avec elle, je puisse rétablir la santé chez les malades. Fais, s'il te plaît, ange Abouya, que les tentations que la vie me présente servent à raffermir ma foi et m'aident à acquérir une plus haute conscience des événements. Donne-moi, Seigneur Abouya, la force d'oser, le courage de faire face aux dangers. Donne-moi ta lumière pour vaincre mon obscurité. Conduis-moi avec main forte au domaine de la vérité, de la spiritualité, de la transcendance, et fais de moi un citoyen à part entière de ton monde, où déjà le doute n'existe plus. Permets, s'il te plaît, ange Abouya, que je sois pour les autres et pour moi-même une fontaine de santé et de joie. Au nom du Père, Céleste, Tout-Puissant, du Fils, ressuscité, Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ô Dieu Tout-Puissant, à quête de l'archange Raphaël, en ce jour de sa fête. Ainsi soit-il, Amen. Abouya, Abouya, Seigneur Abouya, fais, s'il te plaît, que ma foi soit féconde. Fais que ta lumière, accumulée dans mon intérieur, soit si intense, si pure, qu'avec elle je puisse rétablir la santé chez les malades, rien que par ma voix, ceux qui écouteront cet audio, ou même que cette vibration aille partout où c'est nécessaire. Fais, ange Abouya, que les tentations que la vie me présente servent à raffermir ma foi et m'aident à acquérir une plus haute conscience des événements. Donne-moi, Seigneur Abouya, s'il te plaît, la force d'oser, le courage de faire face aux dangers. Donne-moi ta lumière pour vaincre mon obscurité. Conduis-moi avec main forte au domaine de la vérité, de la spiritualité, de la transcendance. Et fais de moi un citoyen à part entière de ton monde, où déjà le doute n'existe plus. Permets, ange Abouya, que je sois pour les autres et pour moi-même une fontaine de santé et de joie. Au nom du Père Céleste Tout-Puissant, du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, avec l'aide de Dieu qui guérit en son jour de fête. Archange Raphaël, merci. Amen. Exhortation, essence, guérison. Ange Abouya, pèlerin, Dieu m'a chargé d'amener la santé et la plénitude au corps. Amène-moi la santé et la plénitude à mon corps. Pèlerin, Dieu m'a chargé d'amener la santé et la plénitude au corps, car la vérité ne peut se manifester au travers d'un organisme malade. Je suis là pour t'enseigner les vertus de l'intériorisation jusqu'à ce qu'elles deviennent en toi une force. Ne prétends pas vouloir guérir les autres si tu es malade. Depuis des décades, des siècles, si tu as su condenser les vertus qui se dégagent de moi, alors invoque-moi, je t'invoque Abouya, et je ferai que ta vie soit un jardin dans lequel les plus belles fleurs exhalent les plus doux des parfums. Merci, 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 Amen. Abouya, voyageur, c'est en moi que tu trouveras les matériaux qui te serviront à édifier ce jardin dans lequel il fera bon vivre. Donne-moi ces matériaux, s'il te plaît, Abouya. Voici ta mission, fais en sorte que la vie de ton prochain soit belle. Pour cela, il faut que cette beauté fleurisse dans ton fort intérieur. T'aimer toi-même afin de pouvoir projeter ton amour sur le monde, les hommes, Dieu. Prière, ange Abouya, Seigneur, fais que ma foi soit féconde, fais que ta lumière accumulée dans mon intérieur soit si intense, si pure, qu'avec elle je puisse rétablir la santé chez les malades. Fais, ange Abouya, que les tentations que la vie me présente
servent à raffermir ma foi et m'aident à acquérir une plus haute connaissance des événements. Donne-moi, Seigneur, s'il te plaît, Abouya, la force d'oser, le courage de faire face au danger. Donne-moi ta lumière pour vaincre mon obscurité. Conduis-moi avec main forte au domaine de la vérité, de la spiritualité, de la transcendance, et fais de moi citoyen à part entière de ton monde où déjà le doute n'existe plus. Permets, ange Abouya, que je sois pour les autres et pour moi-même une fontaine de santé et de joie. Au nom du Père, du Céleste, puissant, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Très cher Archange Michael, Prince de la Milice Céleste, même Yod-Kaf, Aleph, Lamed, même Yod-Kaf, Aleph, Lamed, même Yod-Kaf, Aleph, Lamed, de ta lumière, éclaire-moi, éclaire-nous, illumine-moi, illumine-nous. De tes ailes, protège-moi, protège-nous, de ton épée, défends-moi, défends-nous. Très cher Archange Raphaël, bonne fête à toi, Dieu qui guérit, guéris-moi, guéris-nous, toute la terre, Mère, merci. Très cher Archange Gabriel, toi le messager, amène toutes ces prières que j'ai pu faire tout au long de ma vie. Par les mains de Marie, ma mère, reine des anges au pied du Seigneur Tout-Puissant, et qu'elle soit réalisée, ainsi soit-il. Amen. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Hare Krishna. Om. Merci.